c'est une fois, dans une campagne pas si lointaine, un vert pâturage peuplé de mille moutons. Tous ne parlaient pas la même langue, tous ne mangeaient pas la même chose, tous ne bénéficiaient pas des mêmes droits. En effet, il y avait ceux qui vivaient du côté du petit coin, ceux qui vivaient du côté de la mangeoire, et ceux finalement qui vivaient vers la clôture. Bref, ces différentes manières de vivre entraînaient la jalousie et les conflits. C'était la loi du plus fort, la jungle et même l'abattoir. Si bien qu'un jour, les moutons décidèrent de vivre en démocratie. Émile pour vous en parler. Non, ce n'est pas Émile, ce n'est donc pas Louis qui va vous dire ce qu'est une démocratie. Parce que lui, il n'y croit plus. Sa phrase préférée. Tous pareils, tous pourris. Le meilleur ami d'Émile Mouton n'est jamais du même avis que son ami. Il fait toujours le contraire simplement pour faire le contraire. Charlie Mouton n'aime pas s'arracher les poils du nez le matin. Allez voter, ça sert à rien. Ceux qui sont toujours d'accord. Enfin, Charlie Mouton aime croquer les oreilles des petits beurres à midi. C'est champouiner avec de la crème chantilly. Dire non à tous ceux qui disent oui. Être flexible dans un corps sensible. Charlie Mouton est un rebelle contestataire, un révolutionnaire dans la main ennemie de l'État. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croit. Il ferait partie d'une majorité qui conteste tout, mais ne propose jamais de solution. Non, ce n'est pas Émile non plus, ce n'est donc pas lui qui va vous dire ce qu'est une démocratie, parce que lui, il veut faire régner l'ordre. Sa phrase préférée. Chef ou chef. Guignol Mouton n'aime pas se faire déranger par les voisins. Qu'on dépasse les frontières de son jardin. Devoir traverser une place de jeu. Enfin, Gavroche. Oh, Guignol Mouton aime les parties de chasse avec les copains. Collectionner les étiquettes des bouteilles de vin. Donner des amendes. Enfin, être subreptice dans un corps mécanique. Guignol Mouton est un gendarme. Gendarme se dit d'un pointement rocheux, situé sur une arête, pouvant constituer un obstacle à la progression des alpinistes. Ou alors c'est dit doux soldat d'un corps de troupes spécialement chargé de maintenir la sécurité et la tranquillité publique. La gendarmerie. Non, ce n'est pas Émile non plus, ce n'est donc pas lui qui va vous dire ce qu'est une démocratie. Parce que lui, il ne sait pas quoi en penser et il n'a pas le temps de le faire. Sa phrase préférée. Je suis tombé par terre, c'est la faute à la bergère. Gavroche Mouton n'aime pas les réveils matins. Manger bio, à quoi ça sert? Ça coûte trop cher. Les barbous sans moustache. Amélie. On va porter la présentation de tous les personnages. On Émile, en a pour 3 heures. Ça me fait tellement plaisir de te voir finalement. Oui, moi, je t'appelais. Amélie. C'est bon. Retourne te poudrainer en loge là. Allez, zou. Bon, moi je vais faire ma présentation en 3 secondes. Salut. Moi, c'est Émile. Je suis la star de cette histoire. Lol. Je suis là pour vous expliquer ce qu'est la démocratie. Thank you.
fromages de couleurs différentes se sont rassemblés pour former un gros fromage. Ce gros fromage, c'est la démocratie. Oui, la démocratie, c'est un fromage pas comme les autres. C'est un fromage aux couleurs arc-en-ciel, et donc aux différentes couleurs politiques. Mais c'est aussi un fromage avec un goût différent par endroit, selon l'endroit où on le croque, celui des idées. Et c'est un fromage avec une odeur différente, selon l'endroit où on la sent. Et ça, c'est les intérêts. Dis-moi, Guignol, quels sont tes intérêts ? L'ordre, la propreté et la sécurité. Ah. Et tes idées ? Ouvrir la chasse toute l'année, faire le ménage sur les places de jeu, et lever la main quand on traverse la route. Tiens donc. Eh bien, donc, vous l'aurez compris, la démocratie, c'est des tendances politiques différentes, des idées différentes, des intérêts différents, le tout protégé par la loi, à la différence d'une dictature. La dictature ! Une dictature, c'est des intérêts et des idées uniques. Bref, un régime unique, c'est tragique, et un régime varié, eh bien, c'est la santé. Dans une démocratie, pour prendre des décisions, on fait voter tous les moutons. Et c'est la majorité qui tranche. Guignol Mouton, montre-nous ce qu'est une majorité. La majorité ! Merci. Le problème, voyez-vous, c'est que tous les moutons n'utilisent pas la chance qu'ils ont de voter et ainsi de prendre des décisions. Et donc, c'est souvent une toute petite partie des moutons qui votent et donc une toute petite partie des moutons qui décident pour tous les autres moutons. Et ça, moi, eh bien, voyez-vous, je l'avais oublié. Il était une fois, dans un pays pas si lointain, des élections. Je vote brun. Votez brun. Le premier effet qui est cool. Oh. Et le vainqueur est le parti des bruns. Bravo. Hey, on a gagné les élections. Hey, vous savez quoi? On a gagné les élections. Youpi! Wouhouhou! Fier d'être brun. Wouhou! Hey Charlie, on a gagné les élections. Ouais, les bruns au pouvoir, ça va rien changer. C'est tous les mêmes. De toute façon, tous pareils, tous pourris. Allez, dis pas ça. Fais la fête, danse avec moi. Youhou! On a gagné les élections, les amis. Ouais, vive les bruns. Youhou! Wouhou! Allez-y. Vous pouvez vous lever et danser. Wouhouhou! C'est la fête. Et maintenant, mesdames et messieurs, notre président fédéral bien-aimé. Mes chers compatriotes, lors des élections, vous avez élu le parti des bruns. Grâce à vous, le nouveau gouvernement vous donnera un avenir meilleur. Un gouvernement, rappelons-le, c'est toutes les personnes qui dirigent le pays, notre bon pays. Le parti des bruns sera digne de votre confiance. Il travaillera au service de votre bonheur et de votre liberté. Être brun, c'est défendre l'ordre, la justice et la sécurité. Politique, moi ça m'a vachement fatigué. Bon, ben je vais aller me coucher. Hein. Étape salle de bain. Oh là 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 là. Charlie, tu viens me brosser les dents? Non. Allez, Charlie, tu sais que j'arrive pas tout seul. Viens me brosser les dents, s'il te plaît. Merci. Glub, glub, glub.
Sardi, j'arrive pas à dormir. Bah, compte les moutons. Comptez les moutons, pfff. Vous avez déjà essayé, vous, de compter les moutons? Ça marche pas de compter les moutons. Essaye, tu verras bien. Ouais, c'est ça. Un mouton. Marche pas. Allez. Deux moutons. Marche toujours pas. Essaye encore. Trois moutons. Marche pas. Vas-y. Quatre moutons. Marche pas. Encore une fois. Cinq mous. Et six mois plus tard... Toc, toc, toc! Hein? Oh, on frappe à la porte! Et si tôt le matin? Mais ça n'arrive jamais! Le jour n'est pas levé. Il fait encore brun au dehors. Toc, toc, toc! Hey, mais arrêtez de taper si fort! J'arrive! Voilà comment je me suis retrouvé en prison. Voilà comment tout a commencé. Il y a 6 mois, les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui couraient dans nos têtes, et sans vraiment faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables, où on laissait filer le temps en sirotant un café. Je suis allé chez le vétérinaire hier pour faire endormir mon chien. Bah, c'est étrange, mais bon. Passé 15 ans, il faut se faire l'idée qu'un chien, eh bien, il va monter... qu'il va mourir, quoi. Mais tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour un chien brun. Bah, ton labrador, il était plus sombre, non? Il était noir. Mais dis-moi, il avait quoi au juste comme maladie? C'est pas la question, Émile. C'était pas un chien brun, il était noir, c'est tout! Non! Comme pour les chats maintenant, tous les chiens doivent être bruns? Oui, pareil, tous les chats et les chiens doivent être bruns. Oh. C'est la nouvelle loi! Ah bon? En vertu de l'article 39, alinéa 7 bis.2, seul mineur oméga 3 du code pénal, sont reconnus nuisibles et illégaux. Tous les animaux domestiques d'une teinte s'éloignant de manière suffisamment conséquente, selon les critères du juge, de la couleur communément désignée sous l'appellation de brun. Tout comportement allant dans le sens d'une désobéissance civile se verra sanctionné d'une intervention provoquant une interruption volontaire et irréversible du fonctionnement naturel des organes vitaux des félins et canidés, assorti pour leur propriétaire d'une peine privative de liberté au sein d'une colonie de sensibilisation au savoir-vivre. Pfiou. Vous avez compris, vous? Moi, j'ai rien compris. Hein. Charlie, t'as compris? Je sais pas toi, Emile, mais moi, j'aime pas trop toutes les nouvelles restrictions du Parti Brun. Parce que j'y tenais, moi, à mon chien. Je commence à me dire que j'aurais peut-être dû aller voter. En même temps, ils sont pas complètement torts, les brins. Il y a pas assez de place pour tous les chiens. Pour les chats, j'étais au courant. J'avais dû me débarrasser du mien le mois dernier. Un petit chat de gouttière, blanc et noir. Moritz, qu'il s'appelait. Moritz. Et je lui ai donné la boulette. Qu'est-ce que j'ai fait? Moritz! C'est vrai qu'il y avait un problème de surpopulation et qu'il y avait des chats partout, vraiment partout. Un vrai problème de superpopulation. Et que, d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les brins. Que les brins.
Nous avons effectué plusieurs analyses qui confirment ce que nous soupçonnions déjà. Les meilleurs chats, c'est-à-dire les plus forts et sans conteste les plus purs, sont les chats bruns. En effet, les nombreux tests effectués par nos instituts nous permettent de prouver qu'ils s'adaptent mieux à la vie citadine. Par exemple, les chats bruns mangent beaucoup moins que les autres chats et sont par conséquent moins coûteux. En outre, ils ont peu de chatons, ce qui limite la prolifération. Pardonnez-moi mon langage de scientifique. En plus clair, moins de chatons signifie un meilleur contrôle de cette superpopulation. Le problème est là. Trop de chats. Alors nous résolvons le problème en ne gardant que les meilleurs, les bruns. Pour tout chat non conforme, la gendarmerie qui veille à notre bien-être et à notre sécurité distribue gratuitement des boulettes mélangées à la pâtée. Elles endorment les matous en moins de deux. Mais pour les chiens, eh bien, ça m'avait un peu plus surpris. Voyez-vous, c'est quand même plus gros un chien. Et puis, comment dire, c'est aussi le meilleur ami du mouton. Quoi, vous connaissez pas cette expression? Le chien est le meilleur ami du mouton? Bah ouais. Enfin bon, c'était peut-être vrai pour les chiens que les bruns étaient plus résistants. Toujours est-il qu'avec Charlie, on savait plus trop quoi se dire. On s'était quitté avec une drôle d'impression. Comme si on ne s'était pas tout dit. Ouais, pas trop à l'aise. Je sais pas ce que vous prenez, mais moi j'adore le café. Hé Marcel, un petit brin! Quelque temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que La Liberté, le journal de la ville, ne paraîtrait plus. Mais il en était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en buvant son café crème. Ah! Ils sont plus que sur Internet! Ils avaient plus d'argent! Ils faisaient la grève tout le temps comme les Français! Et ils sont fait prendre en otage par Kadhafi! Non! Je te rassure, c'est à la suite de l'histoire des chiens. Des chiens bruns? Oui, pas un jour sans s'attaquer à cette fusion nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus quoi penser. Certains commençaient même à cacher leurs chiens. C'est ce que j'aurais dû faire. Quoi? Enfin bon, à trop critiquer le gouvernement, ils ont fini par se faire interdire. Allez, ça! Pas les titiller les bruns. Eux, ils savent se faire respecter. Ils ont bien raison. C'est comme ça que les gens comprennent qui commande. Un bon coup de balai, y a rien de mieux.
mais Emile, moi, comment je vais faire pour mes sudokus? Ben, mon vieux, pour tes petits jeux, il y a guère plus que le journal Matin-Brun. Ouais, là, le journal devant toi. Il paraît que côté pipa et horoscope, ben, il assure plutôt. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est un brun journal, je vous dis. Il raconte pas de sornettes sur notre brun gouvernement. Pas comme les autres journaux, hein, qui avaient dépassé les bornes, hein, mais... Tchakez, ont pas fait long avant de disparaître, hein. Moi, ça me tracasse quand même de devenir un lecteur du Matin Brun. Mais avec le parti unique, on se posera même plus de questions. Un pays sans gardement qui essaye de faire leur intéressant. Plus personne pour contredire les brins. Moi, je vous dis, je sais ce que je vais aller voter. Et j'espère pouvoir être fier de notre peuple. Voilà les brins. Il y a vraiment des brins qui sont brins, hein. Tchou. Il mange le chabrin de sa voisine, un monstre.
Les trafiquants de poison étaient des étrangers. Les trafiquants de poison étaient des étrangers. Miss Brune est blonde. Un scandale. Miss Brune est blonde. Un scandale. Dernière ligne droite avant la natation. Partie unique, c'est magnifique. Salut Gavroche. Bah dis donc, les nouvelles en ce moment. Eh, c'est pas drôle, hein. Dernière ligne droite avant la natation. Partie unique, c'est magnifique. Ça sent le brûlé. Vous trouvez pas que ça sent le brûlé? La liste des livres à mettre au feu. La liste des livres à mettre au feu. Alors, on garde? On jette. Après, ça avait été autour des livres des bibliothèques. Une histoire pas très claire encore. Des maisons d'édition étaient poursuivies en justice. Et leurs livres interdits de séjour des rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait attentivement ce que ces maisons d'édition continuaient de publier, il n'était pas rare de relever le mot chat ou chien au moins une fois par volume. Et pas toujours assorti du mot brun ou brune. Elle devait bien le savoir tout de même. Maintenant, la loi exigeait que les mots brun ou brune apparaissent plusieurs fois par page, sous peine que le livre soit interdit et brûlé. Oui, mais tu comprends, Émile. Le gouvernement ne peut pas accepter qu'on détourne la loi, non d'un petit brin. Bon, moi je m'en fiche, je lis pas. Les deux affiches présentes ici depuis quelque temps annonce la venue prochaine de votation. Sur votre gauche, l'affiche « Partie unique, on s'occupe du reste » annonce clairement la couleur. Il est dit qu'un parti unique doit être créé. Rappelez-vous ce que l'on vous a dit au début. Une dictature défend des idées et des intérêts uniques, à la différence d'une démocratie. Un régime unique, c'est tragique. Un régime varié, c'est la santé. La deuxième affiche, elle, défend clairement la démocratie, ou plutôt la diversité des opinions. À savoir, stoppez les brins, votez non. Donc, si vous avez envie de vous exprimer clairement et de défendre plutôt l'un ou l'autre bord, je vous conseillerais plutôt de voter stoppez les brins, votez non. Toujours est-il que nos deux personnages, Charlie et Émile, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Charlie, le contestataire, est-ce qu'il va vraiment contester? Est-ce qu'il n'est pas déjà en train de basculer? Des avis? Émile, plutôt brun? Anti-brun? Vous vous réservez? Nous allons regarder les prochaines votations et nous verrons ce qu'ils vont faire. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils sauront retourner la situation. Il était une fois, dans le même pays pas si lointain, des votations. Des votations. Je vote. Vote unique, c'est magique. Je m'en souviens, Brun, j'avais dit à Charlie de venir à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Bruns à la télévision. Qu'est-ce qu'on avait rigolé. Platypa qui débarque avec un nouveau chien de Brun. Brun, de la queue au museau, avec des yeux marrons et tout. Tu vois, finalement, Émile, il est plus affectueux que l'autre et me bille au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. Chocolat, au pied, chocolat, au pied, j'ai dit. Non, toi aussi. Oui, tu comprends, j'ai toujours eu des chats. Il est pas brun celui-ci? Magnifique, on est tous assortis. Hé, hey, noisette, on se calme, noisette, noisette. Après, on avait allumé télébrun pendant que nos nouveaux animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. Cher
téléspectateurs, téléspectatrices, spectateurs et spectatrices, Zuschauern, Zuschauerinnen, nous interrompons notre programme pour une grande et brune nouvelle. L'initiative pour un parti unique a été acceptée à 51%. Dès à présent, l'existence d'autres partis politiques ou regroupement de personnes n'ayant pas les mêmes idées que les Bruns est absolument interdite et illégale. Toute personne ayant des informations peut contacter la police. Bonne fin de soirée. À vous les studios. On a une votation. Hey, allez, un petit peu de popcorn avant le match. Zouz, allez Zouz, dehors. Allez. Bonjour messieurs, dames, après les publicités et ces résultats de votation spectaculaires, je me présente, Marcel Mouton, votre nouveau présentateur unique de Brune TV. Chers téléspectateurs, nous sommes donc au Leipzig Brune Stadium, allez, où notre équipe fédérale tant aimée, j'ai nommé le FC Brunnenfeld, accueille nos voisins Los Bringigos Cocoricos pour cette finale de la Coupe des Bruns. Le score à mi-temps, toujours 0-0, puisque je vous le rappelle, les Los Bringigos et leur capitaine Patricio Alvarez ont fait grève sur le terrain, mais c'est réglé. Je crois qu'ils auront le droit de secouer à minuit sans se brosser les dents. On est toujours en grève, c'est français, hein. Mais attendez, top départ de la deuxième période. Ça recommence. Ballon pour les Bruns. C'est leur capitaine Alexander Brunner qui prend le ballon. Passe à Stéphane Brunner, qui le passe à Gelson Brunner. Passe à Blaise Brunner. Non, attendez, c'est Hakan Brunner qui relance à son capitaine. L'arbitre ne siffle pas le marquage à la culotte de Thierry Hugo, qui récupère le ballon pour son équipe. Ça frise la correctionnelle. Nicolas Alcatraz en rajoute. Il tente de faire le coup du capé. Sans succès. Notre goal, Diego Brunner, il a vraiment la baraka. Il y a vraiment une bande d'escalopes sur le terrain. J'ai jamais vu ça. Oh, attaque à retardement. Oh là là, attentat. Oh, il y en a même qui mettent des semelles. Sima vient de donner un coup de tampon à Hakan Brunner, qui visiblement... Carton rouge, c'est un carton rouge. Oui. Oh, l'arbitre a vu rouge. Il va mettre une biscotte. Et oui, elle est rouge. Il va se rhabiller. Ballon pour les Bruns. Marco Brunner passe à Tranquilo Brunner. C'est l'heure de la revanche. Qui dribble Patricio Ivarez. Passe à Johan van Brunner. Qui relance à David Brunner, Gelkan Brunner, Reto Brunner. Celui-ci fait suivre le ballon à Alexander Brunner. Alexander qui tire. Alexander qui tire. Alexander Brunner, numéro 13. Comme on le voit sur le ralenti, mais c'est dame. Une bombe. Il a relâché le ballon dans les pieds d'Alexander. Et le ballon plein d'amour. Il a pleuré. Alexander, c'est pas possible. Soute-moi, Alexander. Il a juste caressé le ballon qui est venu terminer sa course dans le but des Los Bringigos. Et c'est donc un but pour les Bruns. Marcel Mouton avec vous en direct du Leipzig Brune Stadium. Hey Charlie, c'est qui a gagné le match? Les Bruns. T'es sûr? Quelle question. Hey, dis-moi, faut que je te dise quelque chose. Je me sens brun en sécurité. Et comme quoi, de faire exactement ce qui va dans le brun sens des choses, ça nous simplifie brun la vie. Je dirais même, la sécurité brune, ça peut quand même avoir du bon. Du brun. Du bon. Chut, chut, du brun. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui a entendu? J'espère pas.
Moi qui me croyais brun en sécurité, j'ai brun failli me faire attraper par la police. La brune, celle qui fait pas de cadeaux. Ils sont nouveaux dans le quartier, ils ne m'ont pas brun reconnu. Ils ne connaissent pas brun encore tout le monde, ça doit être ça. J'allais chez Charlie. Le dimanche, brun, c'est chez Charlie qu'on joue aux cartes. J'avais un pack de brunes à la main, c'était tout, on devait jouer aux cartes durant 2 ou 3 heures tout en grignotant. J'ai dit aux cartes! Enfin, toujours est-il qu'on devait taper le carton durant 2 ou 3 heures tout en grignotant. Et ce jour-là, en arrivant devant la porte de mon ami Charlie, surprise totale. La porte a dévolé en éclats et 2 policiers en uniforme faisaient circuler tous les curieux. Circuler! 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 Je vais rendre visite à ma grand-mère. Alors j'ai fait semblant d'aller dans l'étage supérieur. Je pris l'ascenseur pour redescendre. En bas, les voisins parlaient à mi-voix. Pourtant, son chien était un vrai brun. On l'a bien vu, nous. Oui, mais ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il en avait un noir. Pas un brun, un noir. Avant? Oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Ça, c'est pas difficile à savoir. Il suffit de demander aux voisins. J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur a trempé ma laine. Si en avoir eu un avant, qui n'était pas brun, était un délit. Mais j'étais bon pour la prison. Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant, j'en avais eu un blanc et noir. Oh là 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 là! Et Charlie? Charlie qui a disparu? Faut vite que je rentre à l'appartement, peut-être qu'il y est. Charlie! 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 Où es-tu, Charlie? T'es pas là? Charlie, t'es dans la salle de bain? Oh! Mettons les nouvelles! Peut-être que je saurai ce qui est arrivé! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour! Ici Brune FM, longueur d'onde 1291. C'est bon là, ça marche? Ça marche là? Oh ouais! Hey, technicien, ça marche? Ouais, ça marche, ok. Ici Brune FM, Marcel Mouton, votre toujours présentateur unique, en direct des studios uniques de radio et de télévision unique. Oui, 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 bon. Aujourd'hui, 500 personnes ont été arrêtées grâce aux nouvelles lois du parti unique. Avoir eu un sien ou un ça non brun, à quelque époque que ce soit, est un délit. Les mentalités ne peuvent changer ainsi d'un coup. Tromper le gouvernement en instant un autre animal brun et faire semblant d'être un brun citoyen est une injure à l'État national. D'ailleurs, s'il y a la police qui écoute, j'aimerais vous parler de mon voisin, Émile Mouton. Émile Mouton, il a acheté un chat brun qui s'appelle Noisette. Mais avant, il y avait un chat noir et blanc qui s'appelait Maurice. Je vous le dénonce. Même si on n'a pas eu personnellement un sien ou un ça non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, ou est-ce que soi-même de graves ennuis. Être brun, une question de valeur. Marcel Mouton, pour vous. Évidemment, ils n'ont pas fini d'en arrêter des anciens propriétaires de chats et de chiens qui n'étaient pas bruns. Il y a quasiment que ça. Tout le monde a changé de couleur d'animal domestique maintenant en ville. Tout le monde, je vous promets, il n'y a que ça. Après tout, il était à moi, mon petit chat noir et blanc. Hein, Moritz, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je lui ai donné la boulette? Pourquoi? Et le labrador noir à Charlie, c'était à lui aussi. On aurait dû se méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux domestiques. Ouais, je vous jure, on aurait dû se méfier. Et qu'est-ce qu'on aurait dû faire, hein? Résister davantage? Oh, résister davantage. Ouais, mais c'est pas évident. Et puis les autres, oui. Ah bah les autres aussi, ils baissent les bras, hein. C'est plus facile. Ouais, résister davantage. Oh là là, résister davantage, mais... Oh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et l'autre, là, qui me dénonce comme ça? T'as eu un chat noir et blanc? Oui, bah oui, j'ai eu un chat noir et blanc. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Étape salle de bain. Charlie aussi il s'est fait enlever. Y'a personne pour me brosser les dents. Je sais pas me brosser les dents tout seul. Bon, je vais me coucher, je suis fatigué.
Évidemment, je n'arrive pas à m'endormir tout seul aussi. Là, c'est Charlie. Vous savez, Charlie, il m'aurait dit, Émile, tu comptes les moutons et tu t'endors. Comptez les moutons, hein? Comptez les moutons. Vous avez déjà essayé, vous, de compter les moutons, hein? Vous avez déjà essayé? Ça ne marche pas de compter les moutons. Moi, je vous le dis, un mouton. Deux moutons. Trois moutons. Ça marche pas. Essayez encore, qu'il m'aurait dit. Quatre moutons. Cinq moutons. Il fait encore brun au dehors. Tac, tac, tac! Non, mais est-ce que je dois ouvrir la porte? Je sais pas. Mais arrêtez de taper si fort! J'arrive!